gros âme, pile mouchoir, toute sérance. J'ai éclairé à l'ambadji planté quoi, toutes ces bluffs, toutes ces manillettes. Depuis que volonté, côté bandit était depuis la police passée, c'est Zeb qui poulevait. Police nationale d'Haïti frappée. Gros bandit tombé et plusieurs autres joignent arrestation. Yo. La police, c'est travail, il vient travail, c'est travail, il te promet, nous, c'est travail, il y a travail. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue ou sous TAC 509, tout Haïtien connecté, ou dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. C'est toujours un plaisir pour nous croiser, pour nous parler pays, pour nous faire débat, pour nous porter information, pour nous traiter information avec vous, non souci pour toujours être connecté dans sa capacité dans la République. Dans l'émission aujourd'hui, mon grand invité spécial, c'est Monsieur Henri Jean, qui est un sociologue, qui est un haïtiano-dominicain, qui lui-même lit à vivre aux États-Unis, qui gagne appréhension de situation qui a évolué en République dominicaine. N'a pas gagné pour nous faire parler avec lui, n'a pas gagné pour nous garder gros marche, gros manifestation dominicaine au programme pour demain, n'a pas gagné pour nous parler tout demain à faire Louis Abinader 2 ans dans tête pays. Hein? Puisque dans 2 ans, ça nous c'est en politique anti-haïtien qui a fait en République dominicaine. Toute décision de Luis Abinader la prince au nom de l'île d'Haïti, etc. Donc, il faut qu'haïtien en République dominicaine, il faut qu'ils comprennent quelques bagailles. Il faut qu'ils comprennent que je dis en tant qu'haïtien, Haïti c'est pays, nous avons tout intérêt, nous devons gagner toute bonne volonté, nous tout bon vouloir nous, pour nous mettre pieds nous à terre, pour nous battre, pour nous défendre Haïti. Donc, nous allons regarder avec lui qui ça qui doit faire, qui ça qui pral faire, qui ça qui pas fait, qui ça qui mérite fait pour Haïti, pour Haïtiens qui a vivent en République Dominicaine. Mais avant tout, faut moi rappeler au projet qui gagne pour rentrer les classes. Avec seulement 100 $, on pral aider pour acheter valise, pour acheter livre, pour acheter cahier, pour acheter uniforme pour Timoun yo qui a rentré l'école. 150 Timoun, c'est sa projet à y arriver, aider, arriver, sponsoriser Timoun yo pour rentrer l'école. C'est vrai, malgré nous, il y a une sécurité là, malgré nous, tout problème qui est en dedans pays, date là maintenu jusqu'à présent. Et le ministre de l'Éducation nationale, l'ANISPI Maniga, il faut qu'on change de date là, il faut qu'on dit rien dans 3 semaines là, est-ce que réellement l'école a pourri, est-ce qu'il y a pour reporter, etc. Nous, pas quoi qu'on est, mais l'essentiel, nous aurions été accrochés avec date qui est date officielle là, en attendant que les dispositions qui prend. Donc, projet à lui, a continué, projet à il continue à faire utiliser, vrai, il y a un bluffer là qui. Soubaï Mato et qui a prélé, qui a dit yo gen bay pou ti moun yo, etc. pour nous voir l'argent ba yo. Mais nous rete vigilants. Et tout zanmi nan diaspora yo hier, zanmi nan diaspora yo, yo ekri yo Yannick, monsieur a pa diaspora. Non, diaspora yo pa fè bagay comme ça. On connaît que vous moun nan communauté haïtienne nan qui a vive et de yon pays qui yo même yo respecte tèt yo, yo kembe honnêteté yo, yo kembe crédibilité yo, kembe parole yo. Et c'est une des raisons m'a profiter remercier. Chaque grand ami qui répond présent dans le projet, à chaque grand ami qui répond pour sponsoriser, chaque grand ami qui commence à aider pour le projet à prendre corps, pour le projet à prendre vie. Merci à vous-même et tous les amis qui font promesse, vous m'attendez nous et passez en façon pour le et date l'arrivée sur nous pour nous cas concrétiser ça, nous te prendre comme initiative. Déjà là, m'a dit que, monsieur, hier, m'a regardé comment mon. Et la Tibonite, mon petit rivière. Jean yon content. Jean yon fait fête. Jean yon bat bravo pour policier yon qui a fait opération. Qui la gè Goliath à terre, mon cher. Non. Haïtien vle vivre, tande. Haïtien vle vivre, c'est opportunité yon pas jouen. C'est condition yon pas réunie pour Haïtien vivre. Mais Haïtien vle vivre. M'a gardé tout. Dans l'occasion fait Notre-Dame non m'a regardé culte au caille m'a regardé culte au cap m'a regardé diaspora qui fait déplacement rentrer cap haïtien m'a regardé comment moun yo sorti dans la rue tropi Canada Haïti tap joué samedi sous place cap haïtien monsieur m'a regardé image dans drone pas de côté pour piquer pain pas de côté pour piquer place à plein moun. Moun yo vini vin amuse yo, moun yo vini enjoy yo, m'ap gade présence la police dans la rue yo, m'ap gade mobilisation qui gagne pour moun yo ramasse fatra, pour yo propre vilan, haïtien vle vivre. Si jodi a Ariel Henry, il pa prend toute disposition pour permettre à ce que
sécurité rétablie en dedans pays, la paix rétablie en dedans pays, calme retourner en dedans pays, c'est nèg yo pa yon volonté politique. Parce que me dit nous déjà tout ça qui a fait dans la République, c'est politique là qui a alimenté, c'est politique là qui a géré. Toute décision qui a pris, que ce soit gang qui a terrorisé la population, dans chaque petit quartier populaire, dans chaque ghetto, dans des grands groupes gang, grands patrons, grands commandants, etc., c'est politique qui a créé. Et madame m'a attendu ancien et interview de m'a fait. Monsieur, là où m'a campé pour dire c'est profane, tout le monde qui est qui balle les âmes, c'est député profane. Mais attends, moi, tu as bien la disposition qui prend, mais dans qui pays? À qui autorité? Qui chef? Comme si on chef gang en kapel dou son député qui bat tout zam parce que il te besoin et gagne élection. Il te besoin pour te plein bulletin pour lui. Il te besoin plaque l'autre monde qui était en facial créer propre gang pal. Et gang yo qui zam qui nan men yo, zam la police. Zam police nationale d'Haïti PNH. En grande manchette en grande lettre écrit sous lui. Pas aucune disposition qui prend. Jodi on pral parler de vite l'homme. On va parler de Iso, on va parler de Tilapli, on va parler de Chrisla, on va parler de et toute l'autre chose, on va parler de nèg kokorat sans ratio, on va parler de la mort sans jeu, etc. Mais c'est politique la créé. C'est nèg qui te gen intérêt politique qui mette yo là. Sous prétexte yo c'est jeune qui influent dans commune yo, yo c'est jeune qui influent dans ghetto, dans quartier populaire côté yo rien et puis s'attendre à là, c'est avec une négociation faite, c'est avec yo. Tout dialogue a fait non façon pour gagner élection pour contrôler l'électorat dans la commune dans la circonscription etc. Mais hier mon cher m'a regardé Jean Goliath tomber m'a regardé Goliath qui couchait photo YouTube pas bail et accès pour ta mettre photo là mais photo triste on regarde jeune garçon couché on regarde tout col marqué avec Macbal. Et là, je regarde tout le qui pète avec Macbal. Je me souviens, j'en ai eu vidé, j'en ai eu 400 maroons, j'en ai vidé balle sur l'inspecteur original Lalo. J'en crois l'inspecteur a été décalé à coup de balle. Et c'est une des raisons, là la police mette pied la terre. La police a mené opération, question à de violation de la moun. La police a fait, et comment on dit, exécution sommaire, etc. Mon cher, bail la police tol pour le traquer bandit, bail la police tol pour stopper bandit. Parce que jodi a haïtien vle vivre c'est nèg yo pa créer condition pour haïtien vivre la caillou. L'oué haïtien qui te Haïti al prend humiliation en République Dominicaine c'est parce que nous pa gagne autorité la caillou, nous pa gagne chef la caillou. Et puisque nous est bandi pour payan et c'est même bandi qui dans tête l'état, ou vinn comprendre bandi pour bandi, c'est haïtien, c'est majorité, c'est grande population haïtienne là, c'est eux même qui victime là. Et niveau taux de victimisation tellement a augmenté, on regarde de jour en jour, c'est plus bandit qui a gagné, tout titre ou gen bandit, tout côté viré, gen bandit grandit même avec parti politique, tant que John grandit en dedans pays. Mais niveau victime, non, c'est population, c'est nous plus, c'est nous qui victime. Tant ou tant, faut que nous le mettons, faut que nous soyons comme nous. Parce que nous, ouais, l'État va faire rien pour nous. Nous, Ariel va faire rien, André Michel va faire rien, El Kassi va faire rien. Au contraire, je dis, on est a pris peuple pour macaque, yon a dénoncé l'autre sous prétexte que peuple a pris dans yon, peuple a pris dans l'autre. Non, nous pas pour nous croire ni André Michel, ni SDP Majorie André, ni SDP Nenel Kassian, ni SDP Daryl Balthazar, ni SDP Caleb Jean-Baptiste, etc. Tout c'est du pareil même, tout c'est bluff, tout c'est maniguette. Ok? Donc, le Goliath tombé dans Tirivière la Tibonite. Ou regarder vidéo là, ou regarder contentement qui gagne par bon côté population. Ou regarder bat bravo qu'a fait dans mitan population. Ou regarder honneur, ou regarder fierté qui gagne parce que bandi sale pas jamais terroriser mon encore. Bandi sale pas jamais traumatiser mon encore. La police fait travail, la police prend responsabilité. Si je dis en population choisi rester côte à côte avec la police. Population choisit marcher main en main avec la police, c'est parce que quelque part, go prise de conscience, et confiance commence à rétablir. Gen bien longtemps, nèg ka fè politik yo retire confiance population dans la police. Moi même m'a dit ça honnêtement. M'dérivé à un certain moment, m'di ah, m'pa même besoin si m'tan de voler frapper porte la caille moi. Au lieu m'tarele la police, préfère m'ta chercher manchette moi, m'file manchette moi de bord. M'garde si m'ka sauter tête bandi.
on ca sauter tête de l'école qui vient frapper moi à minuit parce que en pile fois qu'on a dit tout relé la police ou pas comme qui mauvais grain qui a dedans la police ou pas comme qui mauvais grain qui a travaillé avec bandi ça te vient faire peur. Eh bien jodi là c'est bravo pour la police, bat bravo pour la police, la police a travaillé et m'a regardé matin et on information partager avec moi gagner matériel yo qui commençait et à venir. Matériel yo commencé à venir et donc m'espérer dans jour qu'a venir là yo tout matériel la police a besoin en termes de support technique y a bien disponible. Formation pour policiers yo, formation pour unité et débit yo, unité tactique yo pour policiers yo commencer croire que si yo mettez pied à terre yo tomber sous champ de bataille là, yo victime sous champ de bataille là en dedans institution la police gen des dispositions qu'a prend. Et Francel mettez vin avec une question cause coopérative pour policiers yo, moi même m'a chercher information pour me connait dans qui point lié et est-ce que li fonctionnel, est-ce que gen l'argent commencé à circuler en de la coopérative ça jusqu'à date m'pa ko jwenn information qui fiable yo. C'est chercher n'a chercher parce que gen différentes catégories policiers qui travaillent dans l'institution de la police. Gen bon policiers, gen mauvais policiers, gen policiers qui honnêtes, gen policiers qui crédibles, gen policiers qui respectent tout ça tout, gen mauvais grain parce que information qui rive joindre moi et nan Carrefour un policier bon agent Simo qui t'a censé nan gang, qui t'a censé nan question caravane, non gang nèg yo besoin établi nan commune Carrefour et puis il t'a tombé. Il t'a tombé, il t'a fait voile pour son chapeau, etc. Donc, je dis, il faut que nous comprenions que c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes dans la population qui pour accompagner, qui pour bailler travail policier ou à faire toute importance sur gain. Parce que, n'est-ce qu'à faire politique, il n'y a pas vraiment envie de payer un achat performant. Il n'y a pas vraiment envie de payer un achat de bon matériel, policier ou à préformation. Parce que, pour un policier à préformation, dans quel objectif? Traquer bandit, bandit pour qui est-ce qu'il travaille? Bandit, il n'y a pas tout. Que dans le secteur privé, que dans le secteur politique, là, que dans la société civile, là, chaque monde a un grand bandit. Même si chaque monde a un grand blanc, chaque monde a un grand bandit. Mon bandit, c'est dans la police, c'est PNH pour me faire confiance. Et chaque opération PNH menée qui réussit, chaque opération PNH menée qui montre que policiers, institutions, ils ont une volonté pour rétablir la sécurité, ils ont une volonté pour respecter la mission, pour respecter l'engagement. Ça a amené confiance moi plus près. Parce que confiance moi était sorti dans la police, ça a commencé à retourner, les romans, pourcentage a commencé à augmenter. Donc, on encourage le travail PNH à faire, non souci pour nous qu'un bel pays en cesse. Parce que là, et Nations Unies, OEA, tout le monde a une position. Ça, vous favorable pour un retour casque bleu en Haïti, et vous favorable pour une intervention musclée en Haïti, vous favorable pour. Je ne sais pas qui est le bali, le tatouné avec là, est-ce que c'est minuit comment, minuit par comment, mais retour casque bleu en Haïti, et vous faites de lit, je dis, en la en priorité, puisque nous, PNH, nous sommes pas capables de vous ne pas reconnaître nous, la médaille en dedans pays, donc que l'on veut ou non. Ces populations, on nous partage information nous gagne avec autorité ou avec la police. Ou peut partager information numéro émission disponible 3896 3819. Utilisez nous comme couloir. Nous même n'a fait suivi ou avec des EPJ avec la police en façon pour que sécurité qui rétablit en Haïti. Zami on qui dans diaspora qui besoin retourner la caillou, faut que ka retourner la caillou. Trop neige, trop fredi, la moun yo prend retraite, yo besoin retourner la caillou. C'est ça qui est important, c'est ça qui doit qui ta doit priorité autorité l'état, qui ta doit priorité l'état, je dis. Mais nous c'est notre bagaille à régler question et blanc tout moun gen ti goup blanc pa yo derrière. J'aime te annoncer dans commencement émission hein. Moi gagne avec moi et souligne pour et sociologue Harry Jean. Nous allons parler de situation qui a évolué en République dominicaine, nan, de ça ici en République dominicaine en vive, de comment traitement y est, qui ça qui doit faire, qui ça qui pas fait, etc. Pour nous éviter pour tailler un génocide, pour nous éviter pour aller pour Dominicain, ta font massacre encore l'autre massacre. Soit haïtien qui vivent en République dominicaine. Donc, je dis, il y a un paquet de compatriotes haïtiens qui est en République dominicaine, qui a parenté tête à Dominicain, qui a fait raciste, propre haïtien pareil, frère, qui a vivé en République dominicaine. Tout. Donc, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Au cas vivre en République dominicaine, nous avons moyen, nous avons l'autre. C'est notre travail maçon, c'est notre travail dans le restaurant, le calé, la vie, assiette, etc. On ne peut pas discriminer.
Même Jean avant, il quitte Haïti pour besoin. OK, il quitte Haïti soit et parce que pas de travail, de chômage en Haïti, soit il quitte Haïti parce que cause insécurité, il pas capable avec ou quitte le même cause. Jodi an là, au lieu n'a fait discrimination haïtien contre haïtien, on nous garde comment nous ca allier nous. On nous garde comment nous ca mettre tête nous ensemble pour nous dire nous pas d'accord que Haïti est Jean lier, Haïti c'est la caille nous pas pral gonfler République Dominicaine comme si c'était pays nous lié, mais nous pral mettre main dans patte là pour nous garder comment nous ca refaire la caille nous. C'est Haïti pour nous. Et préparez-vous parce que gon paquet de paroles nous pral parler ensemble avec les sociologues là et ou même pour ca comprendre relation de pays à yo, relation Haïti République Dominicaine qui basé sous discrimination, qui basé sous racisme. C'est pas un bagage qui la jodi, mais c'est un bagage qui traverse le temps, qui fait l'histoire et pour qu'on qui réaction, qui comportement ou doit gagner. Je m'annonce déjà, moi gen avec moi souligne nan, yon zami et yon haïtien, yon dominicain qui paraît pour exposer, pour expliquer nous qui ça nous comprend de situation et Haïti, République Dominicaine, de divergences qui gagne là, de problèmes et qui gagne entre deux pays. Donc nous allons regarder ensemble puisque demain a fait exactement 2 ans depuis le président Luis Abinader, l'inatep République Dominicaine, l'a dirigé République Dominicaine. Donc je dis, nous avons une situation qui gagne. Et avec Ari Jean, nous allons parler pour nous comprendre et qui ça qui a passé en République Dominicaine et comment nous même comprendre la situation et qui comportement haïtien qui a vécu en République Dominicaine t'a supposé gagner. Et bonsoir monsieur Ari Jean, bienvenue dans l'émission Mon éditorial avec Yannick. Bonjour Yannick et bonjour peuple haïtien tout partout côté Oye. Bien content de la présentation. Pour nous dire deux mots en ce qui concerne la situation que Haïtien a passé et a vivre dans Saint-Domingue depuis jadis, ça veut dire depuis longtemps. Donc, il n'a pas parler sur ça en espérant que n'importe qui moment, qu'il y a un gonfle qui sorti sous pierre, donc le peuple haïtien a un soulagement, non seulement et Saint-Domingue, mais en même temps, tout le cas soulagement à Haïti, tout, qui a fait une différence en ce qui concerne ça pour des différences problèmes dominicains, et a passé. Et donc, et pour le moment, c'est ça, nous allons faire interview. Hein. Donc, si vous permettez tout, et Yannick, permettez-moi de saluer le peuple dominicain en tout, et ça a coûté à Haïtien qui l'autre bois, tout le monde, dans tout le pays Saint-Domingue, et qui te salue le peuple dominicain en tout. Buenos días a todos. Quiero saludarlo al pueblo dominicano. Quiero saludar a la gente, los dominicanos que están allá en Santo Domingo, que nos están escuchando ahora mismo, para que preste atención a lo que nos vamos a decir en ese programa, que es muy importante a ver si se puede calmar la situación. Esa situación que están viviendo los dominicanos y que están viviendo también los haitianos. Queremos agradecer a los dominicanos por ese comportamiento que, y decirle a ellos que realmente es un problema que tienen Haití con los políticos haitianos. Eso no quiere decir que somos malos, como ellos lo piensan. Lo tenemos mucho respeto, lo consideramos como hermanos y esperamos que con esa situación que estamos trabajando todos los haitianos, consecuente, que lleguen a encontrar una solución y que se calme la situación para todos los dominicanos y también para los haitianos. Gracias por escucharme. Bien. Seguimos. Bien. Ok. Monsieur Jean, demain, oui, après exactement 2 ans depuis Luis Abinader, le président de la République Dominicaine. Et gagne tout en manifestation, en marche qui lance là pour demain. Côté que, et précédemment, vous avez fait une marche, une manifestation, vous avez sorti, pancarte dans main, vous avez fait affiche, vous avez dit l'hôpital République Dominicaine c'est pour Dominicain, et travail République Dominicaine c'est pour Dominicain, faut qu'Haïtien baille talon, faut qu'Haïtien quitte République Dominicaine. Par rapport à toute situation, ça, qui comportement d'après vous même un haïtien qui a vécu en République Dominicaine t'a supposé adopter dans ce moment-là par rapport avec situation? Est-ce que nous avons dit son situation de racisme? Est-ce que nous avons dit c'est anti-haïtien et comportement et dominicain? Qui genre un haïtien t'a supposé comporter dans ce moment-là s'il a vécu en République Dominicaine? Bon, et anti-haïtien et raciste sont là depuis longtemps, depuis l'histoire a commencé.
Mais pour le moment, on va aller dans le domaine, on va quitter partie ça, parce que ce n'est pas pour dire son bar au cas où tu es d'un coup, c'est le naturel de l'homme, c'est comme ça, être humain. Mais on va aller dans le domaine pas ici. Pour le moment, ça, haïtien qu'a fait, c'est conserver le calme, qu'on dit pas, là, je vais ouvrir et pas mettre notre propre problème pour chauffer du feu à beaucoup plus pour eux. Parce que, ils vont dans l'esprit, la caille n'est pas bon, nous pas qu'à tourner la caille. Moi, je comprends ça. C'est nous tous qui vivons la même situation. Mais pas vider plus de gazoline sur du feu. Ça, au café, c'est rester calme. Gros sérieux de bagarre, nous pas qu'à faire. Vous pouvez conserver calme, non. Et puis, pas dans le bagarre, nous pas voler, pas faire rien qui passe ça. Essayez pas faire rien qui passe ça. En attendant, nous tous haïtiens compétents et conséquents avons essayé de travailler pour nous rester dans une solution dans notre situation. Abinadel, c'est président dominicain, il n'est pas président haïtien. Le peuple dominicain est mal ou bien, et bon, nous, je ne vais pas dire nous bienvenus, bienvenido, mais il y a quelqu'un qui est là avec nous, ça est capable de quelqu'un qui est là. Pas pour dire que tout c'est pas bon, tout pas bon. Non, pas quoi ça. Mais il y a un conseil haïtien. C'est conserver calme, rester comme nous tranquilles. Et puis tout, faire appel, ça capable de retourner à Haïti. Si il y a une possibilité dans la province, parce que c'est une grande classe rurale qui est un domaine, ça capable de tourner dans le pays, non, retourner dans le pays, non. Et ça n'est pas capable. Bon, rester là, Kembi, pour nous rester en accord à faire, parce qu'il faut nous manger, il faut nous vivre, il faut nous sortir au travail. Conseil d'activité, il faut nous faire. Mais en attendant, rester calme et faire respect, non. Respect est important. Pas fait ça pour nous pas faire. Et puis d'un coup, on attendait Haïti à nos tal, Haïti à nos fait ceci, Haïti à nos fait cela. Et puis ça chauffait l'ambiance là, ça empoisonnait l'ambiance là. Et puis tout Dominicain, comme toujours, sans mander, sans rien, veut couper tête sur tout. Rete calme et puis éviter problème. C'est ça que m'a conseillé Haïtien qui l'autre bois pour le moment. Le nom de la relation qui existait en République Dominicaine, que ce soit relation commerciale ou bien nous gagnons. Nous gagnons pas bon et dans le système éducatif là, nous avons pas qu'être jeunes universitaires en République Dominicaine à l'étudiant, pas qu'être haïtien. Donc et en termes de coût, c'est 2 milliards de dollars chaque année qui investit en République Dominicaine. Est-ce que le gouvernement dominicain pas supposé adopter un autre comportement vis-à-vis haïtien? Parce que aujourd'hui la constat fait, et c'est pas seulement haïtien qui a vécu en République Dominicaine. Des chinois qui a vécu en République Dominicaine, des cubains qui a vécu en République Dominicaine, des différentes nations qui a vécu en République Dominicaine. Mais pour qui ça aujourd'hui on n'a pas regardé comportement président dominicain Luis Abinader, lui vraiment et pendant tout 2 ans là, c'est comme si 2 ans li Basel sous Haïti en porte-parole zilean, en porte-parole haïtien, etc. Comment ka expliquer ça? Et en ce qui concerne notre nationalité qui vit Saint-Domingue, c'est pas un problème lié pour le gouvernement dominicain ou peut-être spécialement Abinadel. Puis on oublie tout dans toute campagne Abinadel t'est parlé en tête que la vie propre pays avec haïtien. Et problème haïtien est basiquement et commencer nos problèmes de peau. Dominicains n'ont pas de problème avec haïtien, problème couleur peau. Couleur peau, c'est un gros problème. Oui. Mais, dans le moment que nous avons parlé, c'est pas une question de l'argent étudiant. Parce que dernièrement, il dit sécurité, si on offre le million et on offre la sécurité, c'est ça, Abinadel dit, la sécurité. Et nous-mêmes, nous avons une dégradation, là, car nous avons tombé. Et nous-mêmes, tout y a suivi, c'est pas pour dire qu'on ne peut pas suivre, bagarre là. Ce qui cause que vous avez fait, il a fait mieux. Et quand vous avez chinois, vous avez fait mieux. Et la grande muraille de Chine, même il a fait la grande muraille de Saint-Domingue. Donc, tout le bagage, on met nous dans une situation qui fait que, quand on a dit qu'on n'a pas une porte de sortie, Haïti, lui-même, pendant ce temps, comme Moukawé, et après, nous vivons en plein 21e siècle, assassinat président en pays, et ça va faire Haïti ni chaud ni froid, et qui vient pas un paquet de problèmes. Regardez jusqu'à maintenant, après une année, et nous avons Ariel Henry dans le pouvoir, Al-Badi s'il a fait ni, Al-Badi s'il a fait ni, nous ne connaissons pas. Dominique, tu as attendu un changement en Haïti, mais. Je connais haïtien puis bien passé haïtien et seulement pas privé. Et Abinadel lui-même, il voulait montrer et tout ça capable de faire. Et qui est
pour haïtien, pour freiner haïtien, pour haïtien pas venir dans le pays et pour dominicain vivre mieux. Encore ma présidente, même moi, Abinader, le président dominicain, ce n'est pas président haïtien. Li. Et l'argent, si l'argent étudiant, etc., et il n'est pas dans le moment de comment moi remet, on remet même tout. Il n'est pas dans tout le bagage ça. Et il n'est pas dans le kilomotion, non. Il n'est pas dans ça. C'est ça, lui-même, il y a sécurité et en même temps, tout haïtien, peut-être moins dit, je ne sais pas internement qui ça grand dedans, qui a nuit yeux, li, ni oreilles, li, tout problème ça. Donc, vous connaissez, c'est un bar passager, li, Abinader pas là pour tout le temps, mais problème ça là depuis longtemps, parce que tout haïtien connaît ça, et ça pas connaît ça, et parce que les potes qu'on fait, que ça s'est passé avec tout il faut nous parler de tout le ça, tout il y a le même problème, yo, et tout il y a été tué, on paquet haïtien. Le gouvernement haïtien est toujours incompétent. Nous avons un problème qui a calé dans Haïti et qui cause toute bagarre à arriver côté arrivé à celle d'incompétence et du nationaliste, du président, d'un président compétent et nationaliste. Par un président qui est haïtien, qui est haïtien, qui comprend, qui dit bon, je suis haïtien. Mais les Dominicains, je suis dominicain. Il faut respecter ça. Okay? Donc, nous avons tout le problème qui a vécu avec nous. Moi-même, ça m'a dit, ça m'a dit encore, c'est l'idée Abinader, c'est lui-même seul qui a dit avec le gouvernement. Mais nous avons évité tout, comme on dit, pour ne pas vider du feu, pour ne pas vider le gaz sous du feu, à deux façons, que pour ne pas venir pas empirer pour Haïtien, parce que nous ne pouvons pas gagner le café pour eux. Mais nous avons demandé à Abinader, nous avons demandé à Abinader, on chita parlé, on chita parlé avec qui mon. Je ne sais pas si Ariel Henry a une disposition pour parler avec le gouvernement dominicain. Il dit qu'il a parlé, il a demandé nos calmes. Nous avons une position qu'on a, nous pas besoin de honte pour nous demander. Nous chance, nous font tant toujours parce que pour tout le bagage qui a résoudre, et directement en Haïti, à partir d'Haïti, il faut que le gouvernement haïtien a commencé à poster l'élection. Parler d'élection, nos positions qu'on y a, nous pas même Haïti, ou pas même qu'on a bien élection, ni si pas bien élection, comme nous parlons de ça déjà, ou pas qu'on ait qui ça, et Abinader l'a fait, c'est pas c'est un peu heureux, ou bien pas demander le premier ministre à vie, pas président à vie, non premier ministre à vie, nous pas qu'on ait, personne pas qu'on ait, il toujours dit même bagaille, sécurité, pas de sécurité Haïti. En même temps, tout pas oublier, nous avons les États-Unis qui ont fait basse pas les États-Unis ont fait basse pas si on. Moi, nous avons demandé pour parler en réunion sous table entre quatre gros pays. Comme Ali même n'a parlé de OEA, OEA pas servi, nous avons fait, n'a parlé de l'administration, pas qu'elle n'a pas parlé. Mais si nous avons un président compétent ou bien une association dans la classe civile compétent qui chita, qui demande pour parler entre les trois ou quatre grands pays, États-Unis, Canada, la France. Et Saint-Domingue. Nous n'avons pas qu'à exclure Saint-Domingue, parce que comme Saint-Domingue dit, comme historien dominicain dit Mouillon, et Sion Mouillon, il dit que le problème qui est guéri, c'est que vous pas mettre au chita sous table. Il y a parlé, tout qu'on a parlé, et c'est eux-mêmes qui ont souffert, c'est eux-mêmes qui ont pas calotte, c'est eux-mêmes la caillou haïtien vide, presque tout il a vidé la caillou. Ils n'ont pas capable de faire ça, ils ont perdu l'identité, ils n'ont pas dominicain encore, etc. etc. Donc monsieur Jean, il y a un petit moment bon émotion comme si le Haïti débarque en République dominicaine, donc il y a une prétention que Haïti a vienne faire une sorte d'acculturation, Haïti a vienne et a vienne pousser culture par là dehors, Haïti a vienne comme si réformer République dominicaine à l'haïtienne, dans style haïtien, c'est ça le prétendre. Il prétend ça depuis longtemps, c'est pas moi qui prétend qu'on y a son bar qui là depuis longtemps. Et qu'on y a devine pire. Mais son devine pire. Son sous-estimé d'après moi-même parce que si nous maintenant nous supérieurs avec haïtien, nous plus bon que haïtien, mais pour qui ça nous peur que pour nous cohabiter avec haïtien sous prétexte que haïtien ka vinn imposer nos cultures par nous. Mais si nous fort. Et problème historique pays a commencé depuis nous m'a dit depuis à bien avant et un petit calme après l'arrivée de Christophe Colomb. Si nous ne parlons pas de ça, ça l'a fait une longue histoire. Et pas oublier que nous commençons, un peu de monde pas songer ça, et m'a réfléchi ça. Le problème, ça a commencé depuis les affranchis et les esclaves. Et le problème, ça, c'est discrimination. Et Yannick, c'est pas un bagage que nous avons contrôle sur ça. Un bagage force au même parce que moi, je suis clair, un bagage force au même parce que je suis noir.
Et c'est ça que fait nous demander. Nous déjà connaissons ça, nous comprenons parce que vous connaissez Haïti vraiment élevé avec un pourcentage de noirs et vous-même, vous avez pour question de lavage à faire depuis des temps. Nous là dans le bagage ça a longtemps, Dominicain là dans le bagage ça a des temps pour les blancs et les espagnols. Un noir dominicain, l'autre dit, sous un noir dominicain. Un noir dominicain est différentiel de haïtien. Il connaît que c'est blanc, lui. Sous dit, c'est blanc même, il est content. Saint-Domingue, plutôt baron, plutôt dit, mon nom, il est jeune, tant qu'au ballon plat manger, il est content en pile. Mais c'est ça fait, nous connaissons, tout haïtien connaît qui Saint-Domingue, il y en a au bio, et il y a pleuvé race, ça fait à dire, il y a pleuvé race, c'est ça qui parle de l'identité. Au bio, c'est en blanc. On a Obia, son blonde, et Moreno, son brun, Morena, son brune, et yo mettez nous en bas. Yo pas dit noir, un négrito, son petit noir, mais son haïtien pour lui, il n'y a pas l'autre bagaille. Et ou bien ça, il y a toujours un prieto, tout le monde comme ça, son haïtien qui est très noir. So, yo pas vle yo. Carrément, nous mettons ça, yo pas vle yo. Yo font catégorisation, donc haïtien, il va pas bienvenu au République Dominicaine. Mais maintenant, pas dans ce que vous non. Ma dis le bagaille, moi marqué, gagne haïtien qui a vécu en République Dominicaine, yo essayé accommoder yo avec un niveau de vie comme si pour montrer que a vivre dans luxe, a vivre bien etc. Parce que yo prend plaisir le que ce soit un dominicain, que ce soit un autre haïtien pareil, yo le ouais. Oh, pas sembler avec haïtien non. Oh frère, yo fier pour yo dire ça. Oh, t'as grand monde qui t'a dit ça déjà. Comme si haïtien pendant la vivre en République Dominicaine non, li plus voulait apparenter là avec dominicain au lieu que li kembe identité au lieu que li rete haïtien dans pôle pour sentir haïtien dans pôle. Donc, ouais. Niveau racine ça qui existe en République Dominicaine, même haïtien me senti à un certain moment, li a fait racisme même à propre tête li par rapport avec l'autre haïtien qui arrive en République Dominicaine tout parce que yo vle départager, yo vle et montrer que yo supérieur par rapport avec l'autre haïtien qui pas vivre bien, qui dans crassant, tu comprends? Pour yo montrer yo plus dominicain que haïtien, moun non prêt pour faire n'importe bagaille pour dire n'importe bagaille tout. Donc m'rete quoi situation qui a évolué Dominicaine avec haïtien, même haïtien tout lui contribuer largement la donne définitivement. Mais parole là dit comme ça, et on a piscine dans quoi mouillé quand même, c'est à dire c'est ça que fait en pile là dedans, senti au bien, senti au commode, et parfois tout il oublie. Ça existe même en Haïti, le nationalisme. C'est-à-dire que, comme après tout encore, dire je suis haïtien, c'est pas un bagage presque autant. Ça n'existe pas. Ni dans la classe rurale. Pas oublier qu'en pile là, haïtien, ça a tout qui est allé dans Saint-Domingue. En pile là, c'est la classe rurale. Ils ont dit, pour nous déterminer, moi, c'est mon an de yo, qui parti. Moi, ça pas en pile là, tout pour. C'est Saint-Domingue ou pas la prendre li ou pas qu'on li ou c'est un Saint-Domingue ou pas la prendre li et pas les paroles. Donc je sens qu'il y a une commodité, donc il y a les avec lui. Pour le moment, bagaille a tourné à l'envers. C'est-à-dire que bah, il était bon, il a envie de tourner à l'envers. Même dit qu'il veut tourner à l'envers, là, comme l'historien dit, il faut être très prudent, car bien génocide qui a fait couper tête, tuer monde, tuer haïtien encore. Ça fait que il n'y a pas arrivé dans l'état ça, c'est parce que c'est un beaucoup plus moderne. Et je crois peut-être qu'il y a une façon que pour calmer la société dominicaine. Pour pas arriver dans l'état ça, mais les cas arrivent dans n'importe quel moment, qu'au cabo y a marché, tu es haïtien dans le pays. Femme de tout, Saint-Domingue a un bel problème, Balto, c'est pas pour dire que c'est de l'or, c'est tout le monde a bien mené. Dans ce sens, il y a un pile grand goût, un pile misère, un pile problème. Et depuis longtemps, il y a une aggravée, il y a fait reconnaître que c'est haïtien qui a tout problème, ça qui fait pas vivre bien, il n'y a pas vivre doré. Vous ne pas oublier tout, et les affaires choléra ont fait en Haïti avec problème minostato. Et choléra a envahi Haïti. Dominique a dit comment c'est que choléra tout sur les affaires, chasse à l'homme, il a chassé tout Haïti, mais il y a deux, il y a une calme. Mais Haïti même tout, il y a un autre problème, tout. Haïti tout comme ça. Et quand on a voté par les amis, on a une question de manger, faire du travail, faire du corps manger, donc avec ça, pour survivre. Donc c'est ça que fait, et nous avons demandé, si comme dans des grands préparés, on sait de monde préparé au niveau diplomatique, moi pas connaît qui te cap chita avec mandé gouvernement dominicain et pour faire chita, c'est pas peuple dominicain réellement, non, et pas tout qui est réellement nationaliste dominicain qui est capable de non qui était haïtien.
tranquille, pas emmerdé. Mais de même, tout gagne un pile nationaliste dominicain autour qui parle de Haïtien. Même dans le pays, Haïtien énervé ou agacé. Donc, si tu as un rencontre à haut niveau, nous avons un gros représentatif, c'est-à-dire Chita, avec Dominicain, et à partir du gouvernement Ariel, là, qui ça c'est Dominique est considéré tout maître ou pas droit, il est considéré Ariel illégal. Il ne connaît pas pour dire qu'il ne connaît, un monde qui est compétent, qui vient de Chita pour parler avec eux. Et mettre les États-Unis là-dedans, ambassadeur dominicain, ambassadeur américain Saint-Domingue, ambassadeur américain Haïti, et ambassadeur tout le monde, ça, you know, et vous comprenez, parler avec eux, mettre au Chita, en nous Chita, en nous parler pour nous faire une solution. Parce que faut que solution faite à un haut niveau et pour nous joindre comme cadeau un petit soleil qui a ouvert pour Haïtien demain si Dieu on a un jour ça. Soit dit Yannick. Oui, non, pour nous joindre une sortie de crise par rapport avec le problème qui gagne entre deux pays. Mais bonjour, bon, essaye de faire un approche pour le comprendre. Habitude, Haïtien toujours aimé dit, c'est pas tout Dominicain comme ça. Ah, c'est pas tout Dominicain l'autre bois qui parle ouais Haïtien. C'est pas tout Dominicain qui a demandé pour ça qui Haïti et Haïtien République Dominicaine. Mais idée c'est qui ça lié. Je dis ouais, yo fait une première manifestation. Bon, nous une première manifestation par rapport avec semaine passée. Hein. On paquet moun prend la rue pendant non mais drapeau Dominicain. Yo reconnaît yo c'est Dominicain. Yo reconnaît bon présence et qui commence à dépasser Haïtien République Dominicaine. Yo vin senti yo pas à l'aise. Donc, c'est pas en catégorie dominicain qui te prend la rue, mais c'est dominicain. Vous comprenez? Donc, je dis là, comment on peut l'expliquer? C'est pas tout dominicain qui parle ou haïtien, qui parle cohabiter avec haïtien, alors que président Luis Abinader, lui estime que s'il t'a gagné pour choisir entre l'argent qui a investi haïtien, a investi en République Dominicaine et sécurité en République Dominicaine, mais t'a préféré choisir sécurité, surtout là, nous connaissons. Surtout, là nous connaissons et République Dominicaine par rapport avec le passé historique de pays, par rapport avec fragilité qui gagne dans relation et biparti entre deux pays. Ou bien trouver une situation côté que jodi même insécurité qui gagne en Haïti, même le en Haïti nous parlons de grand banditisme. En République Dominicaine, il y a des gens qui ont considéré ces insécurités. Mais l'on a regardé au niveau du département d'État américain, l'on a mis Haïti dans le niveau 3 ou dans le niveau 4 pays pour que les gens ne voyagent. En République Dominicaine, ils ont fait tout, ils ont mis la République Dominicaine dans le niveau 2, dans le niveau 3 pour touristes, pour Américains, pas voyager. Mais je dis à la insécurité qui est en République Dominicaine, le problème est. Et Tigele qui est en République Dominicaine. Non? Mais je ne parle pas de quoi c'est Haïtien qui vient après. Je ne parle pas de quoi c'est Haïtien qui a mis en sécurité, qui a porté en sécurité en République Dominicaine. Mais je dis là, réellement, si vous avez une compréhension de problèmes de sécurité qui a ravagé la République Dominicaine, c'est qui ça le cas? Et pour qui ça, tout ça qui a passé en République Dominicaine de négatif, vous essayez de rattacher avec Haïtien. Et premièrement, nous avons dit en ce qui concerne l'approche que ce n'est pas tout dominicain, hein, nous devons dire ça. Parce que Saint-Domingue, à peu près, actuellement, quoi, et, si je ne me trompe pas, si je ne fais erreur, il y en a 13 millions d'habitants. Je ne connais pas si tu as 2 ou 3 millions de monde dans la protestation. On va toujours faire ça. Mais son bagage est bien appuyé par peut-être par le gouvernement hein, ou bien arrangé par le gouvernement. Et nous ne pouvons pas blâmer tout parce que yo coexistent quand même voisinage haïtien avec ça. Nous faisons attention pour ne pas trop échauffer l'estomac. Nous n'avons pas ça parce que nous ne pouvons pas avoir l'autre compatriote qui l'autre bois avec un problème. Tout. Et nous avons toujours ça partout. Et nationaliste a développé Tikal Patikal sans compter que il y a empoisonné tête. Il était déjà empoisonné, déjà qu'on y a revenu plus mal. Il dit que tout problème il gagne. Il est malade, mais il est mort des haïtien. Il a la fièvre, c'est haïtien. Tout ça, c'est haïtien. Tout ça, c'est pour haïtien. Nous-mêmes, au niveau média, nous déjà connaissons tout problème qui existe. Nous n'avons pas cherché à empirer, pas faire des bagages, nous avons plus mal. Parce qu'il y a tant de nous, on va parler, il y a tant de tout programme haïtien, on est tout le monde qui a parlé, tout ça qui a fait, tout ça qui a dit, il y a tant de tout. Si on peut chercher moyen et chauffer, battre un bois à pichot et danser la bine plus mal.
Ça nous a dit, et étant nous-mêmes personnages avec vision qui a conséquence, la presse écrit et parlé, nous cherchons moyen parce que nous n'avons pas de haïtien pas de représentant. Haïtien pas de représentant, absolument pas. Et gale, nous avons cherché même au niveau de la presse, qui ça nous a fait. Et même tout les confrères, femmes d'eau, au niveau de nous, disait pas tout Dominique, c'est une radio qui est les Radio 1000 et en Haïti, et Saint-Domingue, qui était contre défendre Haïtien, qui a un pile problème Haïtien. C'est parce que un pile Dominique campé, tout qui fait, jusqu'à maintenant, il n'est pas arrivé dans ça, ou pas c'est fait, même quand tout il était fait. Sous frontière, pour couper tête, tout Haïtien qui Saint-Domingue. Si on a toujours fait attention, nous pas aller trop loin, et nous connaissons que raciste a très fort, l'autre bois est très existant, et c'est pas qu'on y a son bail depuis longtemps. Imaginons que depuis après, d'été là avant Tourilio est venu tuer Haïtien, et puis il continue toujours, et le blanchissement qu'a fait là, l'a continué toujours. Haïtien qui le dit, il senti confortable là, où qu'on est? De pour qu'à lever matin, on compte pour dormir, que parfois on va venir à Haïti, ou bien on a la paix, qu'est-ce que tu as la paix, on mange, on boit, on filoque. Donc nous n'avons pas rien pour nous conseiller avec ça, parce que diaspora tout partout. Moi-même, je suis diaspora, tout le monde dehors. Tout le monde dehors. Et tout le monde a aimé entrer, qu'on est arrivé, ou jeune, ou grand, nous fait fête, quelle que soit la situation, ou ta fond aimé à l'Haïti, ou pas qu'à briver. Nous pas plaguer tout blême net sur les Dominicains. Nous plaguer un peu tout sur Haïtien. Nous plaguer un peu sur Haïtien et anti-Haïti. Haïtien qui est anti-Haïti, anti-Haïtien. Il y a Haïti, il y a tout partout, il n'y a pas vrai ou Haïtien. Même les Haïtiens ne parlent pas vrai ou Haïtien. Oh, oui, en plus. Regardez, tout problème ça, et n'a pas cherché à accommoder. Moi-même, je connais ça, m'a dit. Si nous parlons aux gens bien chauffés, nous mélangeons alcool avec gasoline, et oublier ça, dans quelques jours, et Haïtien a payé une grosse conséquence. Donc, n'a pas parlé avec un point. Peut-être tout si gouvernement haïtien, si un gouvernement haïtien qui attendait, nous ne connaissons pas qui ça l'attendait, parce que moi, je blâme dans tout débat, ça, je toujours blâme Haïti tout. Garder Ariel Henry monter dans le pouvoir une année, il n'a pas dit encore, nous ne connaissons pas ça l'a fait. Nous, on haïtien dans une situation tragique, côté dominicain, a parlé comme ça doit être, et puis pas un monde qui même, pas même, pas premier ministre, des affaires étrangères là, il pas même dit à même tout, il prenait pas même la même, par contre, il pas la carte, il pas dit tout non. Il bébé, et moi ça, yo seulement contenté pour yo jouer le privilège, pour yo jouer le statut yo gen en Haïti, mais jamais prendre des décisions dans intérêt peuple haïtien. Nous fait expérience avec depuis des années, on pas jamais capoter résultat. C'est d'être compétent né qui n'a tête l'état. C'est ça qui va nous produire situation ça que et haïtien à vivre. Dans le moment ça. Et pas oublier que tout dernièrement, tout, même Chili était longé pour un petit calbar haïtien, et haïtien était plein de problèmes dans Chili pour petit papier, etc. Nous pas de représentants. Donc ça n'a continué à faire, n'a continué à lancer message à travers tout ça, nous capables de lancer message. Au moins pour nous, si nous avons réveillé l'autorité haïtienne, côté yo. Pour nous réveiller l'autorité haïtienne. Si monsieur ça et si Joseph Noir et docteur Claude Joseph, et que Dominique était joué bien joué, il était joué long, calaïto, un petit saloperie, ça a été traité. L'intérieur Saint-Dominique dit je suspends pas les Tintin, nous parlons trop de Tintin. Dominique est enflammé, t'es manqué pour les pays et on parle de jusqu'à nos jours. Et si Claude Joseph, t'as un homme qui t'a présenté tête à la présidence d'Haïti, on va cacher tout ça, c'est les pays après chauffer parce que Dominique est pas ville. Et faut nous pas faire tête, nous pas battre tête, nous heureux. Comme qu'on y a un moderne, une série de nouvelles qui a sorti, Dominique est dans toutes, et chaque fois que il y a une élection en Haïti ou on a la présidence, Dominique choisit qui est le livre président. Il choisit un monde qui a venu à genoux devant, qui peut dire si Seigneur. Non, tout ça dit pour dire oui, monsieur. Et le monde qui te fait rendez-vous avec lui, il te fait rendez-vous avec lui, mais n'importe quoi, ils sont tendus, c'était balaguel. Avec Aristide. Et il pompe, il arrête le dernier haïtien voyage, il faut pas de bagage, mais Aristide recevoir, mal ou bien recevoir, même c'est cassable, il était bailleur. Vous comprenez?
Mais pour nous continuer à parler, et point par spécialement, comme on est pays, c'est continuer et chercher dialogue. Nous faisons que nous cherchons dialogue. Après, Dominique, pour le moment, par contre, pour après, si bah, yo vin, yon kalm, ki kalm ki pou gen, yo vle pou ayisyen tounen nan peyi yo, pou lache al travay nan peyi yo, al fè asè nou nan peyi yo, al sove peyi nou, tout bagay, al kite, al fè moun nou nan peyi nou, tout so konen yo wè ki mal la, konen yon senti yo plus mûr. Depi lontan, yo te gen proje, yo pa jounon gros si, pou si yon peyi an, de yo vwe ayisyen nan, et à l'ouest l'IA, ils ont même été à l'est, mais finalement, Abinadel, il est jeune, réussi, jeune secret, la formule. Et oui, il est si jeune formule là, donc l'a fait en mur. Donc, je ne sais pas qu'on essaie d'aller, c'est pas le dégager au fond de tout en bas mur pour passer. Mais quand même, c'est pas ça qui intéresse nous. Ça qui intéresse nous, c'est un porte ouvert pour nous gagner en Haïti et rétablir le pays constitutionnellement, retourner le pays à la base côté le TIE et faire élection et puis un président compétent et puis parler de justice. Nous avons un mot pour nous parler de justice, démocratie et prospérité. Dans tout ce qu'on a parlé là, il y a. Nous parlons de la dernière question. Une ironique de la vie, c'est que ça, Dominique a joué à son haïtien Balil. Et Dominique a cherché à effacer non, monsieur Tau, parce qu'il était noir. C'est Dr. Francisco Peña Gomez. Abinadel, c'est notre parti à sortir. Il a changé notre parti en façon que pour oublier monsieur. C'est de Peña Gomez qui baille et démocratie sur le cap vivre Saint-Domingue. Docteur Francisco Peña Gomez. Tout haïtien connaît ça Saint-Domingue, tout le monde connaît bouché, non, monsieur, pour ne pas parler. Mais Peña Gomez, dans tout débat, moi, je dis, pour ça, c'est pas Haïti, il était fait, pour c'est Haïti pour le débat opportunité ça. Owen, les mourir pour le président, mais il n'est pas déjà arrivé président, ça ne fait pas arriver président. Parce que l'Américain, monsieur Tengen, deux problèmes. Et trois problèmes. Le premièrement, les haïtiens né à Saint-Domingue. Deuxièmement, l'Américain dit comme ça. Les communistes. Ouais, Sam Dola. Donc, et troisièmement, les noirs. C'était trois gros problèmes, monsieur Tengen, qui cause les mourir parce qu'il est arrivé à la présidence. Et ça veut dire que le problème de discrimination n'est pas allé. Mais il y a joué démocratie. Hein? C'est lui qui est arrivé, fait dit la balague. Il dit bon, à partir d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore acheter sous table, on a parlé et puis on a fait payer à marcher. Mais résultat dominicain. Dis-nous même. On a une dernière question pour nous finir. Et est-ce que selon vous-même, parce que n'a pas les deux haines qui existaient par bon côté et dominicain depuis bien longtemps, ils ont grandi avec haine. Non, bon, même quand aller pour me dire haine contre haïtien, attends même l'école, ils apprennent dominicain, mais qui ça qui Haïti, mais qui ça qui haïtien, maintenant qui ça haïtien contribuer, etc. Je dis d'après vous-même, est-ce que Luis Abinadel lui passait avec haine ça que dominicain a gagné? Pour haïtien pour gérer question politique li. Gérer question politique li, puisque en pile dominicain même j'ai avec haïtien yo nan misère yo nan grand goût yo a vivre dans insécurité jodi an la est-ce que divergence ça qui existe pas bon côté deux pays yo est-ce que Luis Abinadel li pas profiter utiliser dominicain yo pour le faire capital politique comme quoi li veut laver et République dominicaine et puis pour li met haïtien dehors pour dominicain vivre dans pays yo comme mettre pays yo et puis c'est fini. Et c'est vraiment une belle question et on fait l'attention et pour aller doucement avec question Yannick. Ou connaît politicien toujours très grand groupe ou politique, il offre toute bagaille qui gagne sous terre, même si elle a fort cadeau. Il y a bon l'or, il n'y a pas même l'eau même. Il y a bon diamant, il y a bon soleil. C'est sûr, c'est qu'il y a quelques petits bagailles cachés en dedans, et personnellement, non, monsieur, et la mettre en pratique. On prend. Même m'bap di gros bagage sur ça. Parce que moi, très précautionneux pour compatriotes, je n'ai pas un problème par l'autre bois. Quel qu'il en soit, ça, monsieur, qui est en tête. Quel qu'il en soit, ça, un président dominicain qui est en tête. Depuis que vous avez fait jusqu'à nos jours, il n'y a pas un autre problème. Il n'y a pas jamais capable d'effacer tout haïtien Saint-Domingue pour ne pas jamais un grain même. Il y a un niche punaise et pour tuer tout ou pas un grain. Il n'y a pas jamais fait.
On prend et tout y a ici en chaîne par au voisin. Bon Dieu fait bah, très bien, c'est-à-dire que nous venons, nous pas vivre 200 ans. Hitler était pensé plus passer ça, ouais. L'aller. Il t'a fait tout plus. Ça, oh. Ouais, et après aller. On prend quelque chose ça au gain en tête, yo. Lui pas jamais capable effacer et tout haïtien Saint-Domingue. C'est totalement impossible. Même s'il t'a joué un grossier, s'il a eu pour rejoindre, pour aussi le pays. Mais comme il fait mieux, hein, qu'on y a, ok, n'a pas regardé où ça va passer. Mais encore, problème là, moi-même, reposer moi sous le changement qui pouvait être en Haïti. Je n'ai joué un leader compétent, un leader nationaliste, un leader qui gagne force, un leader tout bon. On lit de qui pensait, même qui a même vision avec Dr. Peña Gomez, Haïti qui est pour changer. Nous avons besoin de changement Haïti. Mais en attendant, qui ça nous a besoin pour calmer, nous avons besoin de calmer les choses pour. Et, parce que nous avons une belle valeur Haïti Saint-Domingue. Inestimable. Inestimable, il y a entre moi et ma voix, il y a 3 millions, 4 millions d'Haïtiens plus. C'est-à-dire que depuis le pays a fait Haïtien là. Il était dans mes notes, on connaît Haïtien perdu du pays à Souboaï. Nous ne pouvons pas faire toute l'histoire, ça. Mais effacer pour ne pas prouver que nous sommes dans le pays, c'est impossible. Nous ne pouvons pas faire ça. Donc, il est presque difficile. Donc, nous cherchons moyen et débat pour continuer. Nous attendons notre compétent ou bien notre leader qui a sorti en Haïti. Nous avons besoin de leader. C'est pas leader Saint-Domingue, non? Plus ou moins. Nous avons besoin de leader qui pour. Et émerger en Haïti et qui pour focus, qui pour prendre ça, qui pour comprendre ça, qui pour garder ça, qui pour parler de ça. On prend son gros travail là, et puis pour dire bon, nous allons entrer dans un domaine, et spécialement pour nous, premièrement, et bâillons notre travail dans le pays, bâillons notre travail en Haïti. Et puis après, qu'on fait notre considération. Notre considération, on fait l'école pour vous, montrer au lit et mettre l'école sur place pour vous. On prend soin yo, et santé, et côté priorité, tout ça. On prend, donc, ce n'est pas que travail à faire, mais nous avons besoin des leaders, mais pour le moment, nous avons des propos gagnants. Moi, quelques yeux qui comprennent bagaille Saint-Domingue bien, nous disons que ce n'est pas pour dire que je suis comment dire, commercial pour les noms, c'est Docteur Claude Joseph. En 3 minutes, Docteur Arijan, et vos messages pour Haïtiens qui vivent en République Dominicaine, yo, et pour Dominicains autour, qui attendent sûrement, et qui branchent, parce que fort que sur l'actualité qui a passé en Haïti, pour qu'on connaisse qui comportement on doit vis-à-vis de Haïtiens, vis-à-vis de monde, parce que nous, c'est mon avant tout, Haïtiens Dominicains, et oui, nous avons des nationalités, nous c'est citoyens, yon pays, mais avant tout, nous c'est monde, qui comportement nous doit gagner, comme monde qui a vivre dans la même communauté, dans la même société. Et avant que nous terminions vraiment, je voulais dans le commencement, je voulais saluer pour le peuple dominicain, je voulais pour le peuple haïtien tout, mais je voulais encore. Et Kounia, et encore, et on a dit, m'a parlé avec Anticalo. Buenos días, buenas tardes, hermano dominicano. Et à moi qui hablando de sa situation que está pasando allá en Santo Domingo. Entonces, también a los hermanos haitianos, yo lo quiero saludarlo. Quiero pedirle que conserva la calma, que no se metan en problemas, porque ustedes saben que ya la cosa no está tan buena. Y con todo respeto, otra vez quiero saludar a los hermanos dominicanos, a dejarlo saber que esa forma de presentarnos a nosotros allá en Santo Domingo y esa forma de presentarnos al mundo entero, realmente no somos así. Entendemos sí que tenemos problemas allá en Haití, pero la verdad es que ustedes pueden esperar algo mejor algún día, tarde o temprano, que habrá un cambio, porque el problema es con los políticos haitianos. No son de esa gente, muchos de ellos van por allá, no porque ellos quieren estar allá, pero es buscando, como quien dice, la forma de sobrevivir, pero no realmente, pero ustedes saben que somos humanos, no somos perfectos, cualquier cosa puede pasar cualquier momento, pero yo les pido a ustedes
au travers et calme, mucha calme. Parce que nous avons que tenir une situation difficile, parce que nous avons que enfrentar entre tous les pueblos. Entonces, con un saludo de corazón, un saludo muy cordial, les saludo a ustedes, los dominicanos, por favor, con calma. Eso es lo más importante. Y yo le pido a los haitianos también que viven con calma, respeto y calma. Eso es importante en ese momento. Entonces, es lo más que yo lo puedo decir. Por favor, con calma, para que se calme este problema que tenemos en ese momento, que está tan caliente. Hay que enfriar este problema. Yo se lo pido. Que todo esté bien para ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias. Ok, c'est sûr que ni Haïtien qui vient en République Dominicaine, ni Dominicain, yo prend message. Hein? Et moi, t'es content, petit temps ça, nous t'es gagné pour nous parler ensemble là, pour nous échanger sur la situation. Haïtien qui vient en République Dominicaine, sur appréhension, sur comment comprendre et comportement président Luis Abinader dans le moment. Et demain, la manifestation qui lance, c'est qui comportement haïtien est supposé adopter pour éviter gagner plus de problèmes, pour éviter de mettre l'huile sur du feu. Donc, monsieur Henri, c'est un plaisir. Pour me recevoir dans l'émission mon éditorial avec Yannick, mais j'espère qu'il y a une prochaine occasion encore pour nous continuer ce dialogue, ce débat sur ce qui a passé en République Dominicaine par rapport avec compatriotes, frères chez nous, haïtiens qui a vivent l'autre bord. Merci, c'était un plaisir pour être avec moi. On servit donc, mademoiselle Yannick. Merci beaucoup. Bye. Muchas gracias. Merci. Bon dia. Ok. Moi te gen avec moi et Harry Jean, sociologue haïtien dominicain, li fait bon au fait haïtien dominicain nous déjà comprendre. Li haïtien, li dominicain, li gen de citoyenneté ça yo, mais ça pas empêcher li remet Haïti, ça pas empêcher li gen même l'amour pour Haïti, ça pas empêcher li vle wè la kay li bon, ça pas empêcher que li pour des raisons qui propre à lui-même, li pa ni en République Dominicaine ni pa ni en Haïti, mais li choisi pour li rete et aux États-Unis, pour li évoluer aux États-Unis. Ça qui plus important, je dis, c'est situation qui a évolué dans deux pays. Je dis en tant qu'haïtien qui a vécu en Haïti ou même en tant qu'haïtien qui a évolué, qui a fait business, qui a étudié, qui a vécu en République Dominicaine. Situation haïtienne, il doit interpeller. Ça qui passe en Haïti, il doit toucher. Parce que, comprenez bien, comprenez seul une bagaille. Ou ka bouke, fait en République Dominicaine. Ou ka bouke, gen business en République Dominicaine. Ou ka bouke, a vivre en République Dominicaine. Dominicain ka gado, takou, ti prince, ti princesse, etc. Mais toujours mettre seul bagaille dans tête. Dominicain, indépendamment de toute façon, le cap très tôt, dit qu'on n'a pas dominicain, qu'on n'a pas haïtien. Et si je dis en la, il y a des décisions qui prennent compte haïtien, il n'y a pas de compte haïtien qui seulement une situation misérable en République Dominicaine. Il y a pris compte tout haïtien. Vous comprenez? Donc je dis en Haïti, c'est la caïnou, République Dominicaine, pas la caïnou. Pas le faire trouble avec Dominicain. Pas le créer trouble avec Dominicain. Mais, qu'on est que. En tant qu'haïtien, c'est Haïti qui la caillou et on a une seule responsabilité. Refaire la caillou, construire la caillou. Vous comprenez? Pour qu'à l'aise la caillou. Pas qu'on soit plus à l'aise que la caillou. C'est pas vrai? Pas qu'on soit plus à l'aise que la caillou. Avant d'aller, une dernière fois, je vais rappeler au projet Rentrée des classes. Et au même qui voulait supporter projet à ou même qui voulait aider pour année pour ça c'est quand si moun rive joindre possibilité pour rentrer l'école côté que n'a aider yo n'a sponsoriser yo. Aider ti moun yo c'est pas payer l'école pour yo, aider yo c'est pas payer année l'école ou bien moi l'école, mais plutôt c'est acheter fourniture scolaire, c'est acheter livre, c'est acheter cahier, c'est acheter matériel y a besoin pour rentrer l'école là, parce que pas ka gen ouvrier sans comment sans matériel, élève là pas jambe ka performance là l'école sans livre, pas jambe ka performance là l'école sans bagage, y a besoin yo pour y apprendre. Donc je dis hein, c'est ça me baï tête moi comme initiative, c'est ça me baï tête moi comme projet, c'est pas seulement projet Yannick, c'est projet nous, puisque c'est contributions, ses participations et les projets li réaliser. Avec seulement $100 US, ou ka sponsorise, ou ka parrainer yon ti moun. Donc si vous voulez parrainer plus 5, 10, ok, pas de problème. Si vous voulez parrainer yon tou, vous voulez juste faire contribution ou encore bienvenue. Donc numéro émission, c'est toujours 3896-3819. Ma tante contribution, ma tante support pour projet
pour les cas réaliser. Merci avec vous-même qui t'app suivre émission Mon Éditorial avec Yannick. M'a invité sur faire très sur channel là, pas hésiter à abonner, toujours sur j'active petite cloche notification pour qu'à toujours rester connecté. Rendez-vous en casse pour demain sur même chaîne là, dans même heure. Merci tout le monde, à très bientôt. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus.